Tapis rouge de rigueur, ce soir ce n'est pas Cannes, mais c'est tout comme et pour cause, un show extraordinaire nous attend. Au programme, Jeanne Baudry, Victor O, Ridla, Stella Gonis, un programme tout en images et en musique. Je pars au travail. Extraordinaire, magnifique, vraiment ça a été un beau tour du monde avec beaucoup de joie, ça faisait longtemps. Voilà une soirée qui a été placée vraiment sous le signe de l'originalité et qui a également placé les artistes que nous connaissons d'ordinaire dans d'autres registres dans un contexte extrêmement différent qui a dû être challengeant pour eux et je pense qu'ils ont dû apprécier l'exercice. Ça fait un peu voyager quoi, on était loin tout en étant ici. J'ai bien envie de voir 17 blocs. Akira, il y avait aussi le court-métrage Plaisir Fantôme. Après, il y en a d'autres que j'ai vus, mais qui m'intéressent un peu, comme par exemple Babylone. Babylone, un film que vous pourrez découvrir demain, 18h, en salle France Fanon. L'histoire d'un jeune rasta qui, pour oublier la xénophobie, le racisme, le chômage, va simplement décider de prendre le micro dans les centres systèmes. Quand on dit DJ Motsusen, un artiste, quel que soit l'artiste, Motsusen pour parler de sa vie, des difficultés qu'il rencontre ou même donner un bon conseil à travers sa vie, je pense qu'il aspire un changement, quoi, que ce soit pour lui et autour de lui, puisque qu'on le veuille ou non, tout ne va pas comme on voudrait que ça aille. Quoi. Babylone, un film à découvrir demain, 18h, salle France Fanon, un incontournable entre l'Europe et la Caraïbe. À voir également Mon Rhum à moi, c'est à 16h30 demain également. C'est une réflexion sur la place du Rhum dans la société martiniquaise, film signé Véronique Canor. Et puis ne manquez pas bien sûr à 15h la sélection de courts-métrages, la deuxième en compétition. Ça, c'est pour Tropicatrium. Pour Madiana, voilà le programme. Si, mi amor, si, si, mi amor, si. Premier rendez-vous, 13h30, pour un film franco-espagnol, Madre, l'histoire d'une mère dont le fils a disparu depuis 10 ans et qui croise un jeune homme qui lui ressemble. À 16h, Agosto, film cubain qui nous parle d'amour secret de jeunesse, de pauvreté et de migration. Diffusion également lundi à 13h. 17h30, Los Lobos. Mother. Madre. Brother. Ou la migration d'une mère et ses deux fils du Mexique vers les États-Unis, une nouvelle vie que chacun découvre à sa manière. Enfin à 19h30, Rox, une jeune fille à Londres dont la mère disparaît et qui garde le secret pour échapper aux services sociaux avec l'aide de ses amis. Vous avez le choix, mettez vos masques et bonne séance.